Donc, cela fait 4 ans que nous organisons les Bichir Fest et je suis très touchée que tellement d'entre vous aient pu venir pour la première fois. Vous êtes venus de tellement loin à Paris pour être avec nous. Donc, je vous remercie. Je remercie les partenaires, les équipes, Maïf, Castorama, Accor Hotels et Groupama. J'aimerais également remercier quelqu'un qui est avec moi depuis septembre, qui a fait en sorte de vraiment pouvoir promouvoir cet événement. Et Maïwenn a également travaillé sur d'autres projets dans les derniers mois, voyez, comme vous pouvez vous en apercevoir. Donc elle va essayer de faire son travail, mais de manière détendue. Je voudrais vous donner quelques conseils. Vous avez besoin de vous connecter les uns aux autres. Il y a des gens incroyables des quatre coins du monde. Et ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de sortir de votre timidité habituelle et d'aller de l'avant et de rencontrer les gens, de partir à leur rencontre. En dehors de cela, eh bien, je voulais vous dire que le programme est disponible sur la plateforme SCED. Il y a un lien qui se trouve sur votre badge. Il y a une petite erreur qui figure. Donc, au dos de votre badge, c'est noté 16, ça devrait être 2016. Donc, si on met ce lien sur votre téléphone, vous vous rendrez compte qu'il y a toute une série de programmes de tous les différents endroits de conférences et de débats. Et je voulais également vous dire que cette année se présente sous la forme d'un voyage. Il y aura plusieurs aspects d'évoquer. Demain, ce sera la partie organisation et à différents niveaux. Comme vous avez pu vous en rendre compte, il y a eu 6 chemins différents. Il y en aura deux sujets principaux sur la scène principale qui se dérouleront et les autres dans les autres endroits. Il y aura différents types et différents niveaux d'expertise. Vous avez une petite indication à chaque fois pour les discussions. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas familiers avec cet univers-là. Il y a également des experts. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez besoin évidemment de vivre cette expérience de manière complète. Je suis vraiment très heureuse de la manière dont les choses se sont organisées cette année. Entre... Vous pouvez vous rendre compte qu'il est très facile de vous inscrire pour différentes parties du programme des prochains jours. Il y aura des rencontres sur différents sujets durant les temps de pause de déjeuner également. Et nous avons également construit un village derrière le cirque. Je vous incite donc à aller vous rendre à cet endroit et de rencontrer les gens parce que vous allez vous rendre compte que des projets vont pouvoir peut-être pas voir le jour, mais enfin être grandement avancés par le biais de ce festival. Et nous vous pourrez également rendre compte que nous avons gardé en tête différents aspects qui nous tiennent à cœur, comme celui de l'environnement, du zéro déchet. Vous pouvez vous rendre dans les lounges, dans les cafés, et vous pourrez avoir des renseignements sur ce que nous avons organisé autour de ces thématiques. Depuis 2013, nous avons essayé d'atteindre le niveau zéro déchet. Donc, nous vous demandons de nous aider à mettre cela en œuvre, en étant conscient de vos déchets, de ce que vous produisez, comme si nous avons des gobelets en plastique qu'on avait utilisés depuis plusieurs années. Je vous invite également à vous renseigner sur ce projet qui s'appelle Personal Plastic et de n'utiliser que ce dont vous avez besoin. En ce qui concerne le Wi-Fi, comme vous le savez, que ce n'est pas toujours évident de partager et d'avoir assez de Wi-Fi pour tout le monde. Nous avons essayé d'avoir un système performant, mais on ne peut jamais vraiment tester ce genre de système jusqu'à ce que la masse arrive. Donc, si vous avez des moyens d'accéder à votre propre Wi-Fi, je vous invite à l'utiliser. Ne téléchargez pas, ne regardez pas de films sur les lieux du festival, s'il vous plaît.
Nous avons vraiment devant nous trois magnifiques journées. Je suis ravie de vous les présenter. Je voudrais également vous présenter des amis qui ont travaillé avec nous depuis longtemps déjà et qui seront présents ce matin, Ariane Conrad et Thomas Olava. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, je suis un des foufous et la jeune fille à côté est la jolie fille. Et ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va vous demander d'essayer de réveiller l'énergie qui est en nous. C'est le matin, on a besoin de s'étirer. On vous a parlé d'Internet, mais maintenant je vous demande de vous connecter à votre propre corps. Alors je vous demande de lever vos mains et de pousser vos mains vers le haut. Étirez-vous fort, fort, fort pour jusqu'à toucher le plafond. Et ensuite, vous relâchez. Les bras redescendent le long du corps. Maintenant, avec nos têtes, vers l'arrière, vous faites des lents cercles d'un côté, puis de l'autre. Un autre deuxième cercle. Levez vos mains encore et tirez-vous vers le haut. Touchez le partenaire qui se trouve assis à côté de vous, qui se trouve juste à côté de vous. Et sentez l'énergie, le flux de l'énergie qui se répand entre tous les êtres et tous les corps. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui. Pourriez-vous lever la main si vous venez, si vous êtes là, si vous avez réussi à venir au WeShare Festival depuis la deuxième édition? Il y en a quelques-uns, effectivement. Baissez les mains. Si c'est la troisième fois que vous venez, levez votre main. Si vous êtes ici depuis la quatrième fois, levez-vous, s'il vous plaît. Eh bien, je tiens à vous féliciter. Ça veut dire que vous nous accompagnez dans ce voyage depuis plusieurs années. Si vous avez des questions, eh bien, voyez, vous pouvez vous adresser à ces personnes-là. Si vous êtes tout nouveau et vous êtes aujourd'hui ici pour la première fois, vous pouvez également vous lever. Restez debout. Waouh, mais il y a beaucoup de nouveaux cette année. Bienvenue à tous. Donc, au vieux loup de mer, je vous demande de prendre votre voisin dans les bras, de ne pas hésiter à prendre le risque de rencontrer des personnes, de faire de nouveaux amis, de faire de nouvelles rencontres. Il y aura beaucoup de sujets d'évoquer, économiques entre autres, mais je voudrais également parler de cette notion de soins. Et souvent, il s'agit de partager, de produire, mais si on ne prend pas soin, si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, eh bien, je pense que nous allons droit dans le mur. Parfois, ça nous arrive de prendre le mauvais chemin, à tous. Il ne s'agit pas d'une corporation, il s'agit de nous aider les uns les autres, de partager des nouvelles relations, des nouvelles idées, et de voir ce que nous pouvons produire ensemble. Et c'est ce qui va se passer durant les trois prochains jours. Et je voulais vous dire que pour moi, cet événement est extrêmement important. Il y a 2 ans, c'était la première fois pour moi, et je me suis sentie accueillie. Les gens se comportaient différemment, ils se parlaient les uns les autres, il n'y avait pas d'animosité, pas d'agressivité, les gens étaient bienveillants. J'ai appris énormément de choses avec cette notion de partage et j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice. Et je pense que le WeShare Fest est bien plus qu'un événement, c'est une communauté, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps dans un cadre sociétal. Et ça, c'est en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai faite. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi. Moi, j'étais là au premier fest et je ne connaissais personne. Et j'essayais de rencontrer des gens. Et j'ai écrit d'ailleurs sur cette première édition. Et ensuite, j'ai été connectée. Ça m'a permis de rencontrer énormément de membres des
des conseillers, des rapporteurs. Et chaque investissement que j'ai fait en rencontrant d'autres personnes, tout ce que j'ai pu écrire, sur tous les tweets que j'ai pu écrire en au regard de WeShare, sont toujours revenus de, et avec un résultat tout à fait étonnant et exponentiel. Je vous encourage, je vous invite à investir dans le, la rencontre avec l'autre. Avec l'autre.